Les élèves de Michel Vizard accueillent les 15 autres classes de l'école pour les sensibiliser à l'action Croque-ta-pomme. Mise sur pied par Green dans le cadre de la campagne Effet de jeûne contre effet de serre. Bonjour, nous avons préparé une petite animation pour vous faire comprendre comment ce que l'on mange a un impact sur le réchauffement climatique. Notre planète est réchauffée par le soleil. Les hommes, les animaux, les feux de forêt, les volcans produisent du dioxyde de carbone. C'est un gaz qui reste à la frontière de notre atmosphère et se transforme en une sorte de serre qui permet à notre climat de rester autour de 15 degrés de moyenne. Les humains viennent s'installer et font des grosses usines qui polluent très fort et qui agrandissent la couche de gaz à effet de serre. Ce qui fait que les rayons du soleil ne savent plus bien sortir et donc ça réchauffe la Terre. Couche à effet de serre. La couche de GES, gaz à effet de serre, s'épaissit et provoque une hausse de la température moyenne de la planète. Et quand on prend la voiture ou l'avion, on produit beaucoup trop de CO2 parce que ça réchauffe trop la Terre. Nous avons imaginé ce qui se passera en 2050 si nous continuons à prendre des fruits qui ont pris l'avion. Bonjour, vous êtes en direct du 2050 Express. Voici les titres en bref. Le 15e ouragan de l'année frappe encore l'Amérique et nous ne sommes encore qu'en octobre. En Europe, la montée des eaux commence à faire des ravages. Les populations doivent déserter leur région et s'installer chez leurs voisins. Ce sont encore des guerres climatiques. Les nouvelles qui suivent ne sont guère plus encourageantes. L'eau potable est si rare qu'elle se vend très cher au marché noir. Voici en image le reportage de notre envoyé spécial Mathieu Coppet. Merci Timothy. Vous pouvez voir derrière moi la file de personnes qui essayent d'obtenir un minimum d'eau. Je vous laisse regarder. Bonjour, je ferai une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît. Alors, tu m'épouses. D'accord, mais alors, demain, on divorce. Non. Ah non, ça va pas. Si c'est comme ça. Bah non, attends. Tu dégages si. Et tu meurs. Bon, d'accord. Je peux avoir une petite bouteille d'eau, s'il vous plaît. Alors, tu me nettoies toute ma maison. Eh, pourquoi? Oh, j'ai pas le courage. Oh, pourquoi? Mais j'ai soif. Ah bah, t'auras pas à boire. Bon, d'accord. Bonjour, je pourrais avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît, pour mon enfant malade. Alors, quoi de ta boucle d'oreille? Mais tant pis, j'ai dit au suivant. Tu dégages, là, tu meurs. Mais non, allez. C'est bien dommage que nos parents et grands-parents n'aient pas fait plus attention à leur production de gaz à effet de serre quand ils le pouvaient. C'était le journal de 2050 Express. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous ne sommes pas encore en 2050. Nous pouvons encore agir. Comment ? Éléonore ? En mangeant des fruits et légumes qui sont dans notre jardin. Oui. Juliette ? En mangeant des fruits et légumes qui viennent de la Belgique. Oui. La mandarine, elle vient de Chine. On prend l'avion jusqu'en Belgique. Et en Belgique, on prend le camion et on va livrer dans les magasins. La pomme, elle vient d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle est là. On prend l'avion jusqu'en Belgique. Et en Belgique, on prend le camion et on va livrer au magasin. Le kiwi vient de Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, elle est là. Ils prennent l'avion jusqu'en Belgique. Et en Belgique, on prend le camion jusqu'au magasin. Le melon, il vient de France. En France, on prend directement le camion et on va jusqu'en Belgique et puis on livre au magasin. Les 152 enfants qui ont apporté une collation locale et de saison ont économisé 5472 grammes de gaz à effet de serre. Bravo à eux! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.